Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review sur mes achats en Blu-ray et Blu-ray 4K ou Steelbooks des films Star Wars. Et oui, aujourd'hui ça sera une vidéo spéciale sur mes achats dernièrement sur les films Star Wars, car il faut savoir que nous avons eu le droit ce mois-ci à une nouvelle édition et une nouvelle génération, j'ai envie de dire même, de la saga Star Wars en 4K ou en Blu-ray ou en DVD, avec une nouvelle jaquette, un nouveau travail réalisé dessus, une remasterisation pour les anciens épisodes. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter 3 Blu-ray 4K Ultra HD et un Steelbook 4K Ultra HD. Alors, cette vidéo sera seulement pour la prélogie ainsi qu'un Steelbook que j'ai acheté de la postologie, donc ce qui se passe après la trilogie. Allez, on va commencer avec donc Star Wars Episode 1, La Menace Fantôme, sorti en 99. Donc j'aime beaucoup le visuel qu'ils ont utilisé pour cette édition. Hein. Nous retrouvons donc notre ami Qui-Gon Jinn, ainsi que Obi-Wan et la reine Amidala. Et bien sûr, le petit Anakin Skywalker. Le design est plutôt chouette, hein, comme je l'ai dit, c'est sur un fond, une image bleue sur un fond noir, des plus classes. Sur le côté, donc nous avons bien sûr une petite image de la course de la Bounta, ainsi que les explications. Donc il faut savoir que pour la VF, pour le 4K, nous avons du 7.1, du Dolby Digital 7.1, donc c'est plutôt pas mal. Et également aussi pour la version du Blu-ray normal. Nous avons donc avec ceci un slip cover, donc c'est toujours super plaisant d'avoir des disques, des Blu-ray du moins, avec un petit slip cover, ça rajoute un petit cachet en plus à la collection. Sur la marée, donc nous retombons sur la même chose, hein, le même visuel. Voilà, un amarré assez épais quand même, hein, pratiquement la même épaisseur qu'un DVD. Hop, à l'intérieur, malheureusement, il n'y a pas de travail dessus, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir une petite image. Nous avons donc le Blu-ray 4K avec Qui-Gon et Obi-Wan dessus. Le Blu-ray normal avec Qui-Gon, Obi-Wan, Dark Maul, en train de combattre donc sur Naboo. Et donc les bonus, alors le disque des bonus est juste merveilleux, j'adore. C'est en fait, ça reprend une image, une photo des archives de Lucasfilm. Donc voilà, la présentation est plutôt chouette. Même si ça manque un peu de travail au niveau du visuel à l'intérieur. J'aurais bien voulu avoir un petit truc, ça aurait rajouté un petit cachet en plus. Donc bien sûr, j'ai déjà regardé La Menace Fantôme en 4K Ultra HD, donc c'est une très bonne qualité, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, nous passons donc à L'Attaque des Clones, donc Star Wars Épisode 2, sorti en 2002. Épisode 2, sorti en 2002. Donc le visuel, là, on est plus sur un ton jaunâtre et un peu orange, donc plus couleur chaude. Donc nous retrouvons Anakin, Obi-Wan et Padmé Amidala, ainsi que l'armée des clones juste en dessous. Donc voilà, j'aime beaucoup le design. C'est vraiment le design qui me les a fait acheter, et aussi un peu parce que il y avait de la 4K et un très bon son. Mais donc là nous retrouvons Yoda. Toujours du 7.1 pour la version française, hein, du Dolby Digital. Et pour le Blu-ray normal, c'est pareil. Alors, dans les bonus que nous avons, il n'y a pas vraiment de bonus exclusifs. Peut-être 2-3 documentaires, mais sans plus. Ça reste les mêmes bonus que la version précédente, des deux mêmes versions précédentes des coffrets Blu-ray que nous avions. Hop, donc j'enlève le slip cover. Nous retombons donc sur le même visuel également. Voilà. Et donc à l'intérieur, nous avons donc Yoda en train d'utiliser la force pour le 4K. Ensuite, un clone phase 1 sur le Blu-ray. Et sur le Blu-ray du bonus, nous avons donc une archive, une image d'une archive représentant un gars qui, une personne qui sculpte une maquette. Ensuite, nous passons donc au dernier épisode de la prélogie, le plus chef-d'œuvresque de la saga avec l'Empire contre-attaque. Je veux bien sûr parler de la Revanche des Sith, l'épisode 3,
Donc le visuel là est beaucoup plus sombre, beaucoup plus rouge, plus dark, parce que là c'est vraiment, on va dire, même c'est même l'épisode le plus sombre de la saga Star Wars tout simplement. Donc là nous retrouvons Obi-Wan, Anakin, Padmé encore une fois. Le combat juste mythique de Obi-Wan et d'Anakin. Un petit, oui, un peu prématuré l'image, mais bon voilà, ils ont mis un peu l'étoile noire en train d'être construite, hein, voilà, les débuts de l'étoile de la mort. À l'arrière, nous avons un visuel de Anakin avec la 501e Légion donc en train d'attaquer le temple Jedi hein, pendant l'ordre 66. Toujours le même son, c'est du 7.1 pour la version française Dolby Digital et pareil pour le Blu-ray. Hop, je retire le slip cover. Nous retombons sur la même chose. Hein. Voilà. Et donc à l'intérieur, donc nous avons alors Anakin en version Dark Side, donc quand Anakin est passé du côté obscur. Donc, c'est une image tirée là de Mustapha. Ensuite, nous avons là Anakin et Obi-Wan. Donc lorsque Obi-Wan demande à Anakin d'espionner le chancelier pour la version du Blu-ray. Et là, encore une image donc d'une archive pour les bonus. Voilà pour l'épisode 3. Alors il faut savoir que ces Blu-ray sont disponibles récemment, hein, c'est vraiment la nouvelle génération qui sont sortis. Il y a un coffret collector qui est sorti aussi pour la 4K. Il y a 27 Blu-ray au total. C'est un énorme coffret, hein, un coffret livre, on va dire, même parce que c'est un genre de livre avec les CD à l'intérieur. C'est une exclusivité Fnac, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires et le prix pique un petit peu. Il faut compter entre, je crois bien, c'est dans les 250€. Donc ça reste assez cher pour le contenu qu'il y a réellement parce que finalement, bah, on n'a pas grand-chose. Hein. On a juste les films en 4K et le film en Blu-ray normal. Et les bonus, on les connaît déjà. Donc finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'acheter ce coffret? Oui et non, hein. Oui parce que c'est plutôt chouette, mais non parce que c'est assez cher et il n'y a pas vraiment de contenu, hein. On a juste le bouquin et un petit message de Luke, c'est tout, enfin de Mark Hamill plutôt, et c'est tout, on a pas grand chose, donc foutre 250€ sur un coffret personnellement, c'est pas trop mon truc. Ensuite vous avez un deuxième coffret disponible, c'est pour la version Blu-ray, qui reprend le même visuel que l'étoile de la mort, sauf qu'il est beaucoup plus petit, il est à 90€. C'est plus raisonnable, et oui, là, je pense que ça vaudrait plus le coup de le prendre, mais après, bien, voilà, c'est pas de la 4K. Et bien sûr, vous avez la version DVD, après, à 50€. Bon, je vous conseille quand même prendre du Blu-ray, hein, quand même, pour voir Star Wars, quoi. Et sinon, vous avez donc les amarrés en Blu-ray ou en DVD ou en 4K. À l'unité, et moi je préfère personnellement à l'unité parce que voilà, les visuels sont juste magnifiques, alors que dans les coffrets on n'a pas ça, hein. Dans les coffrets c'est rangé dans des gros trucs et puis voilà, c'est, y a moins de charme. Et puis honnêtement, je voulais pas acheter un coffret en sachant qu'il y avait l'épisode 7, 8 et 9 à l'intérieur. Non merci. Et enfin pour finir, je me suis acheté donc le Steelbooks de l'Ascension de Skywalker. Alors, je sais, vous allez me dire, mais tu viens de dire que tu voulais pas acheter ces films. Oui, mais il faut bien que je complète ma collection de Star Wars quand même. Je ne voulais pas acheter ces films pour un coffret, parce que je n'ai pas envie d'avoir deux fois les mêmes films, enfin, avoir deux fois, ou trois fois, ou quatre fois, ou cinq fois la trilogie et la prélogie, ça ne dérange pas, mais avoir en double la postologie, non. Et donc voilà le Blu-ray de l'Ascension Skywalker, qui, je trouve, pour moi, est plutôt une belle réussite. Il est beaucoup plus joli que la version de l'épisode 7. Il est beaucoup plus joli que la version épisode 8. Beaucoup mieux que celui de Rogue One, qui restait assez fade, tout compte fait. Là, je trouve qu'il y a un travail de design plutôt sympathique. Alors, nous avons un petit slip cover, mais vers le bas cette fois-ci. Voilà, toc. Pour la VF, nous avons du 7.1, pardon, et bien sûr du 4K Ultra HD. Alors le Steelbook c'est juste magnifique, hein. Moi j'aime beaucoup, ça manque un peu d'embossage, hein, voilà. Il n'y a pas le titre du film encore une fois de plus, la version Zavi le propose, le même visuel avec la version avec le titre, c'est peut-être plus joli. Donc nous avons Kylo Ren avec un fond bleu et un fond rouge, oui parce que voilà il est toujours tiraillé entre les deux, hein, voilà, entre le lumineux et le côté obscur. Et à l'arrière nous avons donc Rey. Donc là, entièrement lumineux, avec un chasseur TIE en arrière-plan.
Bien sûr, nous avons sur la tranche les personnages. Donc la tranche n'est pas superbe. Il y en a beaucoup qui critiquent d'ailleurs cette tranche. Et moi, je trouve aussi que c'est pas super joli d'avoir les personnages dessus. Au lieu d'avoir le titre du film. Ensuite, toc, j'ouvre. Alors, nous avons le Blu-ray 4K avec Kylo Ren, le Blu-ray normal avec Rey et les bonus en style archive, là aussi, avec, on voit J.J. Abrams. Attendez, je vais peut-être vous l'enlever quand même, on verra mieux. Avec Chewie. Voilà. Donc, c'est un travail plutôt bien soigné, mais le film n'en est autrement. Voilà les amis, donc pour ces achats, alors on va passer tout de suite à la disponibilité de ces films. Niveau disponibilité, bon alors ce steelbook c'est sorti partout, vous allez le trouver assez facilement dans toutes vos boutiques, dans tous vos magasins, au prix de 35 euros, enfin 34,99€ plus précisément. Voilà, c'est un prix imposé par, je pense, Disney. Donc voilà, vous ne pouvez pas le trouver moins cher ni plus cher. Ensuite, tout ce qui touche ces Blu-ray, alors là, il y a plusieurs offres. Alors là, c'est, voilà, dès le premier jour, vous aviez des offres pour les DVD. Alors, il y avait des très bonnes offres pour les DVD, hein. Je crois que c'était 2 achetés, 1 offert. Pareil pour les Blu-ray. Et pour la 4K, il y a plusieurs offres. Pour la Fnac, c'était 2 4K achetés, 1 offert. Et pour Leclerc, c'était, le premier jour, c'était les 9 épisodes achetés pour 150 euros, plus 2 pop offerts. Donc, ça valait le coup pour ceux qui voulaient s'acheter... toute la saga, ça valait plutôt le coup. Après, Leclerc est passé donc à 20 euros le disque. Et à la Fnac, c'est 30 euros le disque. Donc, ça revient au même en fait. Hein. La Fnac propose 2 disques achetés, 1 offert. Donc, 30 et 30, 60. À Leclerc, c'est 20 euros. Vous en achetez 3, ça fait 60. Donc voilà, vous ne gagnez pas grand-chose. En fait, vous ne gagnez rien du tout. Hein. C'est juste du psychologique, tout ça. Au niveau des offres qu'il y avait eu, il y a toujours les bonnes offres, par contre pour les Blu-ray, ça vaut super le coup, hein, parce que je crois que ça vous réduit en plus, il y a des réductions, tout ça. Ça vaut plus le coup pour les DVD que les Blu-ray que pour les 4K, tout compte. Les 4K, c'est plein pot. Sinon, niveau notes, on en parle. Allez, alors, j'ai bien noté les films. Bon, je sais que j'ai noté plusieurs fois les Star Wars, mais bon, ça ne m'empêche pas de les renoter, de les renoter, de les renoter. Bon, l'épisode 1, la menace fantôme, je mettrai à bon 7,5 sur 10. L'attaque des clones, un bon 8 sur 10, parce que j'aime, malgré qu'il soit assez décrié, celui-là, comme la menace fantôme d'ailleurs, mais encore celui-là plus, parce que beaucoup disent qu'il est ennuyeux, il se passe pas grand-chose, il y a beaucoup de politique, tout ça. Moi, j'aime l'effet de l'enquête, justement. Je trouve que c'est un film plutôt chouette, qui sort de l'ordinaire, quoi. C'est une enquête un peu policière, dans un univers, pas vraiment futuriste, mais dans une galaxie très lointaine. Et enfin, bah, le dernier, hein, le dernier... façon de parler, mais de la prélogie, la revanche des Sith. Ah bah là, je peux pas lui mettre 10 parce qu'il y a quand même quelques défauts, hein. Il y a même pas mal, mais dans la globalité, ça reste un très bon épisode. Je lui mets bien un 9, un bon 9,5, un excellent. Et enfin, le petit, le vilain canard de la saga avec le 8. Le 7, on va dire que ça compte pas parce que, comme j'ai dit, le 7 c'était le renouveau de la saga. Donc, qui voulait nous faire plaisir en manière. Donc, voilà, c'est pardonnable. Alors, lui, je lui mets un 4,5 sur 10. Hein, voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que. Je veux pas être grossier, mais. Ça va pas super haut. Hein? On est d'accord. Enfin. Bien sûr, c'est mon avis. Hein. Après, il y a ceux qui ont aimé tant mieux, mais. Voilà, les amis, donc, pour ces achats de la. Prélogie et de l'épisode 9, parce qu'il fallait le caser, donc voilà. La prochaine review sera donc sur la trilogie originale, et ça s'arrêtera là, parce qu'il n'y aura pas de... Solo, pas besoin, parce que Solo, j'ai déjà en steelbook, et Rogue One, pareil, je l'ai déjà en steelbook. Mais Rogue One, je ne sais pas s'il y avait déjà le 4K disponible dessus, je ne crois pas. Donc est-ce que je vais le racheter en 4K? Peut-être. Je verrai bien. Amis, j'espère que cette review vous aura plu. Si elle vous a plu, ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à mettre un commentaire afin qu'on discute entre cinéphiles et collectionneurs, et bien sûr de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Et jusqu'à ici, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews, et que la force du collectionneur soit sûr avec vous.
Salut.